Là où ça bouge ce soir, nous sommes au Zénith de Caen pour vous annoncer un très bon spectacle, celui d'Anthony Cavana. Pardon, on est en train de faire une annonce, merci beaucoup. Anthony Cavana, donc, qui est là. Je connais très bien Anthony Cavana. Oui, mais là, c'est moi qui fais l'annonce. Oui, mais son spectacle, franchement, il faut y aller. Il est très drôle. Ça s'appelle Showman, c'est super drôle. Il y a de tout. Showman, c'est un peu. Si la vie est un jeu, voici les règles. Il se dévoile comme jamais. Il y a tout. Il y a de la danse, du chant, de la musique. Bah oui, j'allais le dire. Ça rigole, non? Stop, oui. L'éclairage de ouf. Oui. C'est une patate d'enfer. C'est très bien, monsieur. Merci beaucoup, mais parce qu'il faut qu'on fasse l'annonce pour Anthony Cavana. Vous êtes sûr? Oui, voilà. Les femmes n'ont qu'un seul critère pour qu'un mec leur plaise. Il faut qu'il soit gentil, beau, drôle, intelligent, sociable, attentionné, protecteur, câlin, viril, surprenant, mystérieux, romantique. C'est tout. Jacques, c'était Anthony Cavana, non? C'est lui, je crois, c'est lui. Oh merde. Bah vas-y. Monsieur Cavana, excusez-moi. Non, c'est bon. Non, mais je vais vous prendre... Vous êtes un professionnel, vous savez ce non, que vous mais faites. Oui, vous savez ce que vous faites, vous êtes un professionnel. Anthony Cavana, c'est le 28 novembre au Zénith de Caen, donc. Alors là, bravo Jacques, très fort, très très fort. Robert, ton fils te succédera. Il sort aujourd'hui en DVD, réalisé en Normandie, Guillaume, la jeunesse du conquérant, le film de Fabien Drujon, sorti en salle en mai dernier, est désormais disponible en DVD. Je cherche Guillaume. Pour devenir chef, il te faudra aussi te servir de ta tête. Un film normand dont on vous a beaucoup parlé dans Là où ça bouge. Ils sont là. Là où ça bouge, nous sommes maintenant à Alençon, au théâtre d'Alençon, pour une pièce qui s'appelle « Vous reprendrez bien un peu de liberté », mais il y a un sous-titre. Oui, « Comment ne pas pleurer ». Comment ne pas pleurer. Alors ouais. C'est une pièce vraiment qui est en deux parties très distinctes. La première, on est sur du Marivaux. Bah, l'île des esclaves, c'est ce qu'on appelle une utopie, puisque ça se passe donc c'est au XVIIIe siècle, c'est sur une île où les esclaves ont pris le pouvoir, c'est des esclaves qui se sont enfuis d'Athènes. Et la règle là-bas, c'est que les rôles sont inversés, c'est-à-dire que les maîtres deviennent esclaves et les esclaves deviennent maîtres. Et la logique de la pièce, c'est que par ce retournement, les maîtres vont changer, réaliser ce qu'est la condition d'esclave et idéalement s'améliorer. Comment donc? Que veux-tu dire? Donc on parle d'utopie parce que ça finit sur une touche optimiste qui est... Les maîtres apprennent de leurs erreurs et deviennent meilleurs. Et les esclaves renoncent à leurs conditions de maître en disant « Je préfère être bon et te laisser la liberté plutôt que de t'imposer ce que tu m'as fait subir quand on était à Athènes. » À quoi penses-tu? Et dans la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'on bascule sur autre chose. On bascule sur complètement autre chose qui serait plus lié à « Comment ne pas pleurer » finalement. Ouais. C'est un travail autour de la stratégie du choc de Naomi Klein. Je suis Naomi Klein, journaliste. J'ai commencé à m'intéresser à la dépendance du libre-marché à l'égard de chocs en tout genre quand les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003. Je suis allée à Bagdad, puis je suis allée au Sri Lanka quelques mois après le tsunami. Des investisseurs et des prêteurs étrangers exploitaient le climat de panique. Après le passage de l'ouragan Katrina, j'ai entendu des politiciens et des promoteurs immobiliers parler de pages blanches et d'occasions en or. L'utilisation des chocs, que ce soit choc économique, coup d'État ou même choc climatique, par les tenants du néolibéralisme, se servir des chocs pour faire passer des réformes qui démocratiquement étaient compliquées pendant que les populations sont sous le choc. Et comment, depuis le Chili de Pinochet jusqu'à l'Irak en 2003, petit à petit cette méthode a été appliquée. Il y a plusieurs manières d'envisager une catastrophe. Et donc c'est un travail autour de ça, et le lien entre les deux, c'est la notion de liberté qui, dans l'île des esclaves, est une liberté individuelle, celle des hommes, des esclaves libérés. Et dans le Naomi Klein, serait la liberté économique qui se fait au détriment justement des libertés individuelles et des libertés de chacun des populations les plus fragiles. La plupart des survivants d'une catastrophe souhaitent l'exact contraire d'une page blanche. Le théâtre, évidemment, s'enracine dans l'actualité. C'est pour ça qu'au Forum de Flers, si vous venez voir la pièce jeudi, vous pourrez rencontrer les comédiens pour parler, parce que je sais que vous l'avez déjà fait ici à Alençon. La parole se libère, les gens ont vraiment besoin de parler, on le sent. Bah encore plus, ouais, depuis le 13, depuis vendredi 13. Et quel plus beau lieu qu'un théâtre pour parler de liberté?
Comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait cela. De réfléchir avec eux, parce qu'on n'a pas de réponse, c'est ça la vérité, mais on se pose des questions avec eux. Et on leur parle des inquiétudes qu'on a, plus que de leur dire il se passe ça, il se passe ça, on leur dit comment on fait. Mise en scène de Jean-Louis Hourdin, venez reprendre un petit peu de liberté jeudi au Forum de Flers. Merci beaucoup. Eh bien, merci.